Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog, je suis vraiment pas en avance ce matin. J'ai rendez-vous pour ma pause d'extension comme prévu. C'est dans une demi-heure. Et après, on file, comme je vous avais dit, notre week-end Saint-Valentin à Tours, dans une grande ville, on dort là-bas. Donc on passe une partie de l'après-midi là-bas, demain matin, et on partira je pense dans l'après-midi demain. Bon, je vous ai pas dit, hein. Il est 9h moins 5, j'ai rendez-vous à 9h. Et là, il y a un stop, on sait pas pourquoi, un feu, on sait pas pourquoi, en plein milieu de la pampa. Bon, je vais être un peu en retard, c'est pas bien grave. Par contre, c'est super joli quand même. Et ben voilà, je suis de retour avec des cheveux longs. J'aime tellement, qu'est-ce que c'est joli. Et on les a coupés, hein. Normalement, c'était là. Voilà, vous avez vu le raccord? En fait, il n'y a même pas eu de couleur à faire. Ça se fond naturellement bien. C'est hyper sympa. Franchement, elle a très très bien travaillé. J'ai enfin retrouvé de la masse. Voilà, donc je vous montre la carte de Cécile, ma coiffeuse. Parce qu'en fait, elle m'a proposé de vous donner un code promo pour bénéficier de 10% avec le code CarolineR et on s'est mis d'accord, je crois que c'est ouais, c'est jusqu'à fin avril. Et là, je vais grignoter parce qu'on part à 14h, il est déjà midi 20. Jack, c'est ma maman qui va s'en occuper, hein, bien évidemment, pour me lui donner croquettes ce soir, demain midi. Eric est parti à la déchetterie et... Voilà à peu près le programme. Et Jack, il sent qu'il se passe quelque chose. Et il sent les chats. Mais oui, mais on revient demain, mon bébé. Hein, hein? Tu sens qu'il se passe quelque chose de bizarre. Ça, c'est parce qu'on part. Alors, on va lui donner un petit bout. Ça le rend dingue. C'est quoi ça? C'est le surimi à Jackie? Mais oui, ma maman va donner un petit peu. Bon, ce midi, j'ai envie de faire une petite salade avec cette soupe. Alors, si on aime le chèvre, autant dire que ça a l'air trop bon. Je vais rajouter des petits croûtons, un peu de gruyère. Et voilà, je pense qu'on va se rattraper ce soir en allant au resto. Vous savez quoi, en plus, c'est Eric qui m'a dit que cette glace-là, elle me grossissait. Je ne m'en étais pas rendu compte. C'est quand il a vu, vous savez, mes essayages de robe de demoiselle d'honneur. Et ben voilà. Bon, c'est pas bien grave. Tu peux me prendre un truc? Oui, je me récupère. Et voilà, on arrive à destination. On est donc à Tours, l'hôtel Best Western Central. Non, allez, quatrième étage, je le sens pas là. Bah, je pense que tu peux ouvrir, non? Tout à fait. 440, regarde, elle est juste devant. Et là, c'est les petites toilettes. Et la salle de bain, elle est comment alors? Ça va? Oui. Ah ouais, elle est spacieuse. Double vasque. Ah si, c'est joli. On a une baignoire et une douche. C'est vrai que la salle de bain est plus lumineuse que la chambre. Hein. Ah, mais c'est pour ça, en fait. C'est que le store est baissé. Allez, on va en ville. On va en profiter quand même avant que... Je sais pas qui est arrivé. Oh si, 4h, j'ai regardé. Donc pour faire un petit peu du shopping, des magasins que je trouve pas chez moi déjà. Et puis se balader, profiter qu'il fasse beau surtout. La rue qui est perpendiculaire, c'est la rue principale de Tours. Je vais quand même commencer, je crois que c'est tout de suite à droite ou tout de suite à gauche. Étame lingerie, comme ça au moins ce sera fait. Voilà. Ils l'ont pas et on n'en parle plus. Regarde, je savais bien que c'était vraiment à côté de l'hôtel. Bon bah ils ont été honnêtes, hein. Ils m'ont dit avec la transpiration là-bas ça risque de se décoller. J'en ai vu sur Amazon. Je les prendrais, ils étaient pas chers, donc au pire ça marche pas, c'est pas bien grave, mais je l'ai commandé. J'ai perdu Eric en fait. Il est où? Je sais pas du tout en fait où il est. C'est une blague. Pff, il me dit je t'attends devant. Eh ben il est là. Faut te méfier, hein. Ici il y a tramway. Hein. Dans mes méfie-toi, c'est. Mais c'est bon, je l'ai vu, je vais pas me prendre un tramway. Méfie-toi, ça fait pas le bruit. Ça court, elle va le louper. Tu veux un petit goûter? Merci. T'as pas mangé ce midi? Oui, mais non. C'est vrai?
Bon allez, on va chez Zara et... Attends, si la Fnac c'est là. C'est... Bon, en fait c'est un petit complexe, hein, il y a un peu de tout. Mais, ah mais oui, j'étais en train de me dire, il y a beaucoup de monde, mais c'est les vacances aussi chez eux là, un tour. Moi je vais là, je vais chez Zara, tu vas à la Fnac et puis je te rejoins. Je sais pas si je te rejoins ou tu me rejoins. Ouais. Trop de monde encore, on a que... Il y a tellement de monde, mais en même temps, ce chemisier me plaît beaucoup. J'ai pas envie de faire la queue. Oh. Merci. Il y a beaucoup trop de monde. C'est sympa, hein. Il nous offre des fleurs. Voilà. Je vais dire à Eric que c'est un inconnu qui m'a offert ça. C'est cool la tour, hein. Je vais faire virer la Fnac si je filme, je sens. Maintenant, il faut que je trouve Eric. Un mec qui fait plus d'1m90. Ça va se trouver vite. Ah, il est là. Attendez. Bébé. Il y avait trop de monde. Ah bon, tu me fais peur. Ça m'a saoulé. Oui. Mais un. Tu fais avec une fleur. Un homme m'a offert une fleur. C'est bon. Alors, tu es jaloux ou pas? Ou tu vas faire mieux? Il y a plein de gens qui toussent partout. Tout le monde est contaminé. Ça craint. Mais c'est tout mignon, ça. Oh, c'est adorable, un vide-poche. Édition humeur, c'est sympa. Oh, des petites bougies comme ça, j'adore. Trop bien. Oh, il est magnifique celui-là. Il est vraiment très très beau ce cahier. Il me plaît. Oui. À ce rythme-là, on va rien acheter. Hein. Tu vois, c'est des animaux comme ça. Moi, c'était un monsieur et c'est sympa. Quoi. Enfin, moi, j'ai pas eu de sucette. Hein. Ah ouais, alors là c'est Calzedonia et j'aime beaucoup regarder cette petite collection chaussettes. Je suis pas dans le mood collant et tout en ce moment, mais franchement c'est adorable. Je crois qu'on pouvait pas tomber mieux avec ce temps. La mairie avec les petits palmiers. Enfin, l'hôtel de ville. Il est 6h30, je sors à peine, j'étais chez Sephora, j'ai tout testé, il y avait plein de nouveautés. Et d'ailleurs, les filles elles ont été cool, elles m'ont donné plein d'échantillons. T'as trouvé une cigarette. Ah, fais voir. Non, c'est quoi ça? Ça c'est la cigarette. C'est un truc de compète? Oui. Oh, et qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi sa particularité? Elle est de compète. Elle est de compète, ok. Bon, bah on va aller à l'hôtel, tranquillement se poser, puis après on file dans un resto. Donc bon, c'est ça que tu en prends un tout petit peu, je peux te déclencher n'importe quelle alarme. Mais j'ai rien vu. Oh purée, mais si. On va poser les affaires. En fait, notre chambre... Ah ouais, elle est carrément de l'autre côté. Voilà. Ok. Bonjour. Moi, je crois que c'est... Ouais, c'est vraiment la salle de bain que je préfère, finalement. Oh non, mais c'est abusé. J'ai pas changé grand-chose. J'ai mis le petit foulard, le rouge à lèvres. Et j'avais une petite tenue, genre robe, tout ça, mais ça caille, j'ai pas envie. Donc je vais rester comme ça, c'est très bien. On est en train de regarder pour choisir un resto, il y a celui qui a l'air pas mal. Eric est tout là-bas. En même temps, il y a la place Plume, c'est là où il y a tous les restos, les bistrots, c'est sympa. Je suis pas certaine du petit foulard dans les cheveux en fin de compte, tu vois. Avec les lunettes, ça fait un peu trop. C'est magnifique. Wow. Regardez-moi ça. Oh, c'est splendide. Ah mais en plus, il y a plein de roses au sol. Je crois qu'il a tourné là. Et voilà, c'est ici, c'est ça. Bonsoir. Merci beaucoup. Cool. Pina colada, sans alcool. Et toi? Au fait, t'as vu qu'il y avait mangue ou fraise? Toi, c'est un... Oui, c'est un mojito revisité. Tu l'as pris à quoi? À la passion. Mm-hmm. Parce que c'est l'enfoiré. Parce que c'est quoi? Parce que c'est pour nous deux. Oh, c'est beau. Chin, mon chat. Et vous allez voir ce qu'on a pris. Oh là là, c'est du lourd. Hein. Chin. C'est tagliatelle, serviette, mozzarella burrata, mozzarella crémeuse, copeaux de jambon pain, sauce crème à l'huile de truffe. Et truffe fraîche qui va arriver rapidement. Oh, super, merci. Oh là là. Non, mais c'est excellent. Donc ça, c'est de la truffe fraîche, c'est ça? De Périgord. Merci. Je crois que j'ai jamais goûté la truffe fraîche comme ça. Moi, j'ai une fille. C'est
C'est pour moi. Merci. C'est pour moi. Non, ça, ah, il est aussi. Sympa. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Pas à l'hôtel là, hein? Franchement, c'était super bon. Vous avez vu le cadre, surtout. Bon, c'est un coup, hein. C'est quand même assez cher, mais tu fais ça une fois dans l'année. Non, je suis vraiment contente et une très bonne adresse. Le Plaza, donc je vous recommande, mais à 200% le Plaza sur Tours, comme ça.